Espèce de sale slug. Ce n'est pas que je ne sois pas heureux de vous punir pour vos crimes, professeur Black, mais vous n'êtes pas fatigué de vous faire battre? Si, extrêmement. C'est pourquoi je vous ai attiré dans ce piège. Vous croyez donc que vous pouvez me battre en duel? C'est presque fait. Reste calme, Burpee. Tu auras ta chance. Bon, vous allez me dire de quoi il s'agit ou bien c'est à moi de deviner? Je vais faire mieux, Will Shane. Je vais vous montrer. Qu'est-ce que c'est que ça? Une slug? Black, qu'est-ce que vous lui avez fait? Je l'ai modifiée. Je l'ai rendue meilleure et suffisamment puissante pour vous battre. Le pouvoir, je ne pouvais pas imaginer. Oh, vous n'avez aucune idée de ce que vous faites! En modifiant les slugs, c'est la planète tout entière que vous allez détruire! Black! Arrêtez ça! Vous devez l'arrêter! Black! Black! Trouve mon fils! Trouve Ellie! Et donne-lui la lettre! Vas-y! Burpee, qu'est-ce que tu fais ici? C'est papa. J'ai raison. Chère Ellie, si tu lis cette lettre, c'est que je n'ai pas réussi à protéger Slugterra. C'est un des nombreux risques qui rôdent autour des Shane. Un risque auquel tu seras confronté un jour, si tu décides de suivre mes pas. Une longue lignée de Shane a entrepris le voyage dans les entrailles de Slugterra. Si tu choisis de t'y rendre toi aussi, alors souviens-toi de notre accord. Pas avant que j'ai 15 ans. Je t'ai raconté toutes mes aventures dans le ventre de Slugterra. Et tu en vivras beaucoup toi aussi. Descendre là-bas sera la partie la plus facile. Revenir sera beaucoup plus difficile. Si tu choisis d'y aller, ce sera un voyage sans fin, jusqu'à ce que tu découvres le secret du retour. Je sais qu'on s'était promis de faire le premier voyage sous la Terre ensemble, mais il va falloir que tu descendes tout seul. Je t'ai déjà dit beaucoup de choses sur Slugterra, mais ce n'est rien en comparaison de ce que tu vas découvrir. Tu vas descendre de 150 km sous la surface de la Terre, jusqu'à un endroit que quelques rares personnes ont déjà vu. Tu seras en sécurité dans la navette, mais reste prudent. Prêt, Burpee? Slugterra. Les mondes souterrains. Enfin, j'y suis. Lorsque tu atteindras Slugterra, tu trouveras notre cachette à quelques centaines de mètres. Prêt à inspecter notre nouveau monde? Quel désordre! À l'intérieur, tu trouveras tout ce dont tu as besoin pour maintenir la paix. Il est temps d'ôter nos vêtements de surface. Ta mécabette personnelle t'attendra sur l'aire de stationnement.
Joyeux anniversaire, mon fils. Merci, papa. Même si j'aurais aimé un cadeau un peu plus cool. Super! Waouh! Je vais t'appeler Aile Magique. J'ai caché quelques blasters un peu partout. Mais tu devras gagner tes propres slugs. Ce sera ton travail le plus important, Ellie. Dans ce monde, les slugs sont la clé de tout. Elles sont beaucoup plus que de simples munitions. Mais pourquoi je me prends toujours les pieds dans ces... Ne tire pas! Ne tire pas! Qui es-tu? Qui je suis? La question est, toi, qui es-tu? J'ai demandé en premier, et c'est moi qui tiens le blaster. Je vois que tu es aussi intelligent que moi, jeune homme. Pronto, à votre service. Éclaireur, explorateur, topoïde ou nombreux talents. C'est drôle, papa ne m'a jamais parlé de toi. Papa? Ton père, c'est Will Shane? Bien sûr, j'ai une explication parfaite, je vais t'expliquer. Bon, d'accord, je n'ai jamais vraiment connu Will Shane. Mais si j'avais pu, ça ne fait aucun doute. Il m'aurait supplié de faire partie de son équipe. Comme tu le feras. Que ferait un Shane sans son éclaireur pour le guider dans ses aventures? Oui, eh bien, papa ne m'a jamais parlé du besoin d'avoir un éclaireur. Ah! Et voilà comment meurt un rêve. Peut-être nous croiserons-nous à nouveau si jamais tu passes vers les cavernes du rocher. Sur le chemin de la caverne du Nord, non loin du parc aux étincelles. Tu sais, il se pourrait bien que j'ai besoin d'un éclaireur. Oui, oui. Ton choix est sage, jeune Shane. Je m'appelle Ellie. Un joli nom, facile à prononcer. Cher jeune Ellie, tu ne seras pas déçu par ton choix. Bien. Parce que si je dois combattre le mal, notre première mission est de capturer des slugs. Eh bien, en tant que Shane, tu dois posséder un impressionnant arsenal de slugs. Montre-les-moi. Oui, 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 elle est très jolie. Mais où sont les autres? Il n'y en a pas d'autres. Mais Burpee est parfaite. Tu n'as qu'une seule slug? Tu as besoin de gagner des slugs expérimentés dans une bataille. Et je vais te conduire là où il faut. C'est un petit tournoi local. La concurrence ne devrait pas être un problème pour un Shane. Qu'est-ce qu'on attend? On a des slugs à gagner! J'ai juste une chose à faire avant d'y aller. Une chose que j'ai toujours rêvé de faire. Mais enfin, c'est quoi ce rêve, hein? Lancer une slug avec un blaster! Oui, Fred Burpee. Une slug infernale? Waouh! Bien joué, Burpee! Bien. Comment ça démarre, cet engin? Une nuée de flaringos! Regarde ça, Burpee! Attends, hé! Tu donnes des noms à des slugs? Pas toi! J'y mens pas! Ce sont des bêtes infâmes! Bêtes infâmes, c'est pas mal. Tu sais, mes dons d'observation sont hautement raffinés! Et on dirait qu'un tas de choses normales te sont parfaitement inconnues. J'ai grandi dans une cachette. J'étais hors circuit. Seules les Shane sont au courant. Ah oui, bien sûr. Les Shane ont beaucoup de secrets, mais aucun n'est plus important que celui de leurs origines. Personne ne doit savoir au sujet de la surface. Il y a beaucoup trop de dangers pour les deux côtés. Ces deux mondes doivent absolument rester séparés. Qu'est-ce qui se passe, Pronto? Détourne le regard et avance vite! On dirait que cet homme a besoin d'aide. Sans un Shane pour maintenir la paix, les cavernes de Slugterra sont devenues... comment dire... un petit peu rude à vivre. Oui, eh bien maintenant je suis là. Ce n'est pas notre problème. Je suis sûr que tu seras d'accord avec moi pour dire qu'un sage doit savoir choisir ses combats! C'est tout ce que tu as? Ah, que des slugs de seconde zone! Tu peux partir. Je suis le maître de ce secteur. Sauf si vous êtes Will Shane, vous feriez mieux de filer. Tu parles de mon père. Je reprends là où il s'est arrêté. Ah, c'est vrai ça? Will Shane était un homme qu'on pouvait craindre. Toi, tu n'es qu'un enfant. Un enfant qui est en train de tenir un blaster. Tu veux me tester? Je crois que ça veut dire oui. Merci, Pronto. C'est qui, Pronto? C'est moi que tu dois remercier.
Tu sais, la route est pleine d'hommes dans son genre. Tu dois faire plus attention. Attends, qui es-tu? Ah, tu es là! Déjà en train de faire régner la paix! Ne remets plus les pieds ici. Il te faudra plus qu'un blaster et un topoïde pour être un Shane, petit. Je croyais qu'être un Shane voulait dire quelque chose. Ce gars me prenait pour un clone. Si tu veux gagner le respect, c'est sur le champ de bataille que tu devras le conquérir, comme Pronto le Brave. Si tu gagnes ce tournoi, les gens sauront qu'un Shane est revenu pour combattre l'injustice et protéger les innocents. Et si je ne gagne pas? Le chaos continuera à régner et tu continueras à passer pour un incapable. Mais bien sûr, cela n'arrivera pas. C'est comme si tu l'avais déjà gagné, cette compétition. J'ai gagné 6 slugs au tournoi du Rocher de l'Est. Shane? Non, mais vous voyez ça, ce gosse croit qu'il est un Shane. D'accord, t'es en dernier pour les qualifications. Bonne chance. Et il va t'en falloir... Des qualifications? Oh, juste un petit duel pour entrer dans le tournoi. Pas de quoi s'inquiéter. Ok, cool. Ça va être amusant de faire un duel contre quelqu'un. Attends, tu n'as jamais... Tu n'as jamais fait un duel? Pourtant, tu es un Shane. C'est une longue histoire. Et je ne crois pas qu'elle doive arriver aux oreilles des autres concurrents. Non, bien sûr. Je dois te trouver un partenaire d'entraînement. Je reviens. Excuse-moi, tu es dans le champ. Oh, et c'est toi? Merci pour, tu sais... Quoi? Pour t'avoir sauvé? Ce sera notre petit secret. Bien, je te dois une vie, je m'appelle Ellie. Trixie, tu as dit que tu étais un Shane? C'est vrai? Oui, je suis venue gagner quelques slugs avant de retourner combattre le mal et tout ça. Pourquoi cette caméra? Je filme ma compétition. Je cherche tout ce qui pourrait me donner un avantage. Wow, 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 wow. Hey, arrête! Non, arrête! Arrête! Oh. Non! Qui est cet homme? John Bull, c'est lui que tu devras battre si tu veux gagner le tournoi. Je n'ai jamais trouvé son point faible, mis à part qu'il est parfaitement stupide. Tu ne devrais pas être en train de t'entraîner? Oui, mon ami est parti me chercher un partenaire, à moins que ça t'intéresse. Pour que tu connaisses mes ruses? Non, merci, je préfère filmer et t'étudier. En plus, je crois que ton ami t'a trouvé quelqu'un. Ellie Shane, je te présente Corp Zane. Qu'est-ce que tu en dis? J'en dis que je vais avoir beaucoup de courbatures. Je vais devoir affronter un Shane? C'est juste un enfant. Et toi, un troll des cavernes? Laisse-moi deviner, tu as peur et tu ne veux pas t'entraîner avec moi. Tu plaisantes? J'ai toujours voulu rencontrer un troll. Tu ne trouveras jamais quelqu'un de plus loyal, honnête et de plus brave qu'un troll. C'est ce que mon père disait. Il est clair qu'il n'avait pas passé beaucoup de temps avec un topoïde. Will Shane disait ça? Dans mes bras. Ça veut dire qu'on va s'affronter en duel? Vas-y, choisis. Des flip-flops, hein? Très joli. Quoi? Pas joli! Les flip-flops sont inutiles. Chaque slug est utile. Bon, qu'est-ce que tu sais des duels? Qu'est-ce qu'il y a à savoir? D'abord, tu choisis ta slug, puis tu tires, et quand elle arrive à une certaine vitesse, elle se transforme. Et tu dois la garder jusqu'à la victoire. Mon père m'a raconté ça des centaines de fois. Bien, mais l'explication n'est pas le duel. Dans cette compétition, si tu gagnes, tu choisis une slug dans le camp adverse. Mais si jamais tu perds un match, même en qualification... Je perds ma burpee. Est-ce que tu es vraiment prêt à tout risquer? Je n'ai pas vraiment le choix, de toute façon. Non. Duel! Ce n'est pas juste, j'étais pas prêt. C'est ça le truc, tu dois toujours être prêt. Duel! Reste de profil, tu seras plus difficile à atteindre. Tu réalises que tu m'aides en pleine compétition? Il est mignon, il croit que c'est une compétition. Duel! C'est pas mal, petit. Arrête de toujours tirer tout droit sur ton adversaire. Tente plutôt des mouvements qui lui donnent le tournis. Ah, tu veux dire comme ça? Eh ben voilà, tu apprends vite, petit. Oui, ça c'est le Ellie Shane que je connais. Enfin, que je viens juste de rencontrer. Très joli mouvement.
Ça, c'était ma signature, le Proutosaurus. Comment ça se fait que t'aies jamais participé à un tournoi? J'ai fait une promesse à mon père. Je lui ai promis de ne jamais tirer avant mes 15 ans. Laisse-moi deviner, bon anniversaire? Oui, hier. Tu veux savoir? Eh bien, je t'aime bien, Ellie. D'accord, tu n'as pas beaucoup de technique, mais tu as beaucoup de cœur. Alors, tu penses que je suis prêt? Absolument! Peut-être! Non! Tu vas être parfait. En fait, j'ai presque de la peine pour les petits nouveaux qui vont arriver. Tu te souviens quand je te disais que j'avais de la peine pour tes futurs adversaires? Eh bien, je retire absolument ce que j'ai dit. Tu vas affronter Blondie Choc. Je serai toi, j'abandonnerai tant que je suis encore en vie, Jim. J'ai peur qu'ils te détruisent. Allons, les amis, ça n'a pas l'air si difficile. Qu'est-ce que tu en penses, Burpee? Il n'utilise que des slugs Starveling et, à mon avis, il est du genre à n'avoir qu'une corde à son arc. Ouais, mais quelle corde? J'ai quelques petits tours, moi aussi. C'est vrai? Oui. Tu connais quelques tours? Écoutez, ça va aller, je suis sûr. Waouh, il réduit vraiment ses cibles en miettes. Tu sais, les Tarzlings sont des slugs très précises, mais elles se dérèglent très vite, surtout si elles sont surmenées. Excellente nouvelle. Alors comme ça, on me dit que tu es un Shane. C'est exact. Et c'est tout ce que tu as, un Flaringo et quelques malheureux flip-flops. Oui. Tu as perdu la tête? Tu es bête ou les deux? Tu n'as rien d'autre à proposer? Non, Burpee, tu auras ta chance. Allez, tire! Mais pourquoi il n'utilise pas son inferna? Ellie, tu vas perdre si tu n'utilises que tes flip-flops! Non, attends! Je crois que j'ai compris ce qu'il fait! Maintenant, prépare-toi au choc, petit! Non, patiente encore un peu! Il attendait tranquillement qu'un des Tarzlings se dérègle! Allez, Burpee, maintenant! Arrête ça! Arrête ça! J'abandonne! Tu as gagné! Burpee, on a réussi. T'es le meilleur! Je crois que tu es vraiment un Shane. Blondie Choc, viens par ici et paye ton dû. Ouais, ouais. Fais ton choix. Il en a des pas mal, hein? Et attends, réfléchissons bien. Non, cher ami, j'ai une bien meilleure idée. Laquelle d'entre vous veut venir avec moi? Vous savez que je suis un Shane. Une fois que cette compétition sera terminée, vous aurez envie de plus d'aventures. Quoi? Tu parles aux Slugs? Personne ne parle aux Slugs! Bienvenue dans l'équipe, ma jolie. Tu voudrais t'appeler Electra? Voici Burpee. Ton cœur est pur, mais tu sais que tu es en compétition. Ne crois surtout pas qu'on va te faire des cadeaux. On est tous là pour gagner. Alors accrochez-vous. Le premier tour aura lieu au parc des étincelles. Et vous allez combattre cela. Professeur Black, il faut que vous voyez ça. Un film pris dans un tournoi de lancer de slugs dans la caverne Ringbone. Pourquoi ce film devrait-il avoir le moindre intérêt pour moi? Parce que celui-ci prétend que son nom est Ellie Shane. Pensez-vous qu'il soit de la famille? Eh bien,
Si c'est le cas, nous avons les moyens de lutter contre les Shane. Nous avons d'énormes ressources. Mon nom est Ellie Shane. Hier, j'ai utilisé la navette et j'ai plongé dans Slug Terra. Ah ! Ça, c'était la partie facile. Ici, en bas, il faut s'armer de slugs pour survivre. Mes amis m'ont inscrit dans un tournoi où je pourrai trouver toutes les slugs dont j'ai besoin. Accrochez-vous, le premier tour aura lieu au parc des étincelles. Maintenant, tout ce qu'il me reste à faire, c'est gagner. Merci, Pronto. Oui, cette escalade n'est pas si facile. Tu l'as dit, j'ai failli tomber 4 fois. Et tu te serais écrasé si les talents merveilleux de Pronto ne t'avaient pas secouru. Mais attends de voir le premier tour de notre tournoi. Wow. Wow. À tous les concurrents qualifiés au parc des étincelles. Je vous rappelle que les slugs... Cool. Alors, petit, pourquoi t'as été si lent? De la lave en fusion, des falaises coupantes comme des rasoirs et un topoïde qui a tout le temps besoin d'un arrêt au stand. Quoi? Mes vessies sont toutes petites. Pourquoi vous n'avez pas pris la route? Attends, il y a une route? Ah, quand tu es avec Pronto, tu n'as pas besoin de route. Une bonne raison de m'emmener avec toi alors que tu vas affronter le mal en personne. Tout ce qui importe, c'est de réussir. La seule question, c'est contre qui tu vas te battre en premier. Essaie de sauver ta peau. Ce serait vraiment dommage. D'accord, c'était un peu effrayant, mais c'était aussi de toute beauté. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ont choisi la caverne la plus dangereuse? Oh, ne sois pas sot! Chaque tour du tournoi est hébergé par une caverne différente. Ils doivent sûrement garder la plus dangereuse pour la fin. Dis, Cord, pourquoi tout le monde est debout autour de nous? On ne devrait pas être en train de s'organiser? C'est ça, le jeu. Pendant un tournoi, on ne t'annonce qui sera ton adversaire qu'à la toute dernière minute. J'ignore totalement si j'ai besoin de me préparer à un tir de précision ou un duel de mécapettes. Ça peut venir de partout. Bon, laisse-moi faire. Je vais utiliser mes talents d'expert en persuasion et je saurai avant tout le monde. Le premier tour du tournoi sera fait de duels 1 contre 1. Ok, ce sera des duels 1 contre 1. Merci pour le scoop, Pronto. Mais de rien, je ferai tout pour t'être utile, mon ami. Peut-être que tu aurais pu me dire que tu adorais te baigner dans la lave. Ah! Maintenant, je te tiens. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Oh! Moi aussi. Ah. Guerrier et guerrière, le vainqueur est Ellie Shane. Faites votre choix, monsieur Shane. Oh, je sais celle que vous allez choisir. Ce fut un plaisir de vous avoir connu. Votre slug est excellente, mais non, je ne peux pas la prendre. Je sais ce que je ressentirais si on m'arrachait à Burpee. Tu es une arme à shield, c'est ça? Je pourrais avoir besoin d'un petit boulet de canon comme toi quand je combattrai le mal. Qu'est-ce que tu en dis? Je crois que je vais t'appeler Banger. C'est bon pour toi? Alors, c'est pas trop mal pour un premier duel, hein, Pronto? Pronto? Ah, enfin te voilà!
Ok, oui, je suis là. Et je n'étais absolument pas en train de chercher un nouveau job au cas où tu aurais perdu. Mais je peux lire sur ton visage que tu es victorieux. Alors ne laissons pas ces accusations nuire à notre amitié. Et le vainqueur est... Joël! Félicitations, j'ai passé le premier tour aussi. Je ne te connais pas, ça m'est égal. Est-ce que Pronto t'a dit qu'il était content de ta victoire? Le roi de Sling contre Trixie-Sting! Inclinez-vous tous devant sa majesté, le grand roi de Sling! Ça, c'est parce que tu parles trop. Ça, c'est parce que tu danses mal. Et ça, c'est pour gagner le duel. Bravo. Mais j'ai l'impression que tout le monde n'a pas eu autant de chance. Ça, tu l'as dit. Si tu voyais la tête du gars que je viens de battre. Professeur Black. Maurice, combien de fois devrais-je te dire de ne pas m'interrompre pendant que je travaille? C'est encore au sujet de ce tournoi. Dont je dois me soucier parce que... Le jeune Shane, il est toujours là, et d'après mon gars, il est même pas mauvais du tout. Vous ne pensez pas qu'il représente un problème? Dans 10 ans, peut-être. Mais vous voulez quand même que je garde un œil sur lui, hein, patron? Dehors. Je prends ça pour un oui. Allez les amis, allez! Plus vite! On est seulement à mi-chemin de la caverne Rocklock et le prochain tournoi commence dans moins d'une heure! Dis, j'aimerais te poser une question. Les trolls des cavernes sont bien les meilleurs ingénieurs? Eh bien, je ne voudrais pas avoir l'air de me vanter, mais... Alors pourquoi tu es devenu chasseur de slugs? Mon clan voulait que je suive la tradition familiale. Toutes les galeries que nous empruntons aujourd'hui ont été construites par mon peuple. Mais... chasser des slugs, c'est beaucoup plus amusant que de casser des pierres. Oui, oui, oui. Moi-même, je descends d'une longue lignée de topoïdes explorateurs. Et toi, Trixie? Pas grand-chose à dire. J'en avais assez de voir les méchantes personnes traverser ma caverne et tout casser. Comme il n'y avait pas de Shane, il fallait bien que quelqu'un agisse. Et j'étais la seule à vouloir me battre. C'est aussi pour ça que je fais mes vidéos. Pour que les gens soient informés de ce qui se passe sur Slugterra. Le bon comme le mauvais. Pour moi, c'était facile. La traque est le plus grand talent des topoïdes. Puisqu'on en parle, dis-moi où on est exactement. Oh, on suit un petit raccourci que je connais. Il y a des marques du clan de l'ombre. Est-ce qu'on est sur un de leurs chemins? Oui, dans le temps, c'en était un. Mais ça fait des années qu'on ne les a pas vus dans le coin. Oh! Eh bien, tu sais quoi? J'ai comme l'impression qu'ils sont rentrés chez eux. Le clan de l'ombre? J'ai toujours voulu le connaître. Normalement, si tu es assez prêt pour en voir un... C'est la dernière chose que tu vois. Alors, on fait quoi? Ellie! Tu te vas pas dans la bonne direction! Allez-y, fuyez! Je vais essayer de les distraire! C'était pas une bonne idée. Bon alors, est-ce qu'on le laisse ou est-ce qu'on y va? Lumière, Murphy! Quoi tu pensais? Je ne sais pas trop. Mon père parlait d'eux comme de choses sans importance. Il disait qu'ils tombaient tout le temps sur eux quand ils patrouillaient dans les cavernes. Oui, mais ton père, c'est Will Shane. Toi, tu es juste inconscient. La caverne Rocklock. J'espère qu'ils nous ont préparé quelque chose de bien.
Le prochain tour est organisé autour de duels 3 contre 3. Choisissez vos partenaires. Qu'est-ce que vous en dites? Oh, allez, qu'est-ce qui pourrait nous arriver de pire? Ellie, ne reste pas ici! Mets-toi à couvert! Au fait, c'est qui ces gars? Ils disent qu'ils sont les triplés du pouvoir. Ils ne se séparent jamais. Ils s'entraînent depuis qu'ils sont nés. C'est comme s'ils savaient à l'avance ce que les autres allaient faire. Que vous appréciez. Vous savez, il est peut-être le fils de Shane, mais c'est Pronto qui lui a absolument tout appris. Oh, excepté ça. Et ça. Envoie ta slug, mon frère. Oui, ma sœur. Attendez. L'un d'entre eux est une fille. Il faut faire comme eux, restez bien groupés. Montrez-moi vos slugs. Cord, tu lances ta phosphora. Trixie, ton arachnète. On va voir ce que Banger a dans le ventre. Ça prend des semaines pour être en harmonie avec une nouvelle slug. Parfois des mois. Oh. Tu peux la lancer, bien sûr, mais pour réussir un mouvement compliqué, ce serait idiot de croire qu'une slug que tu viens de gagner fasse exactement ce que tu veux. Je suis un petit nouveau, mais je sens quand une slug s'est habituée à quelqu'un. Ah. Cord, tu les fais sortir, ensuite on fait feu à mon signal. Allez! Allez où? Allez plus fort! Maintenant, mes frères! Maintenant! Encore un mouvement signé Pronto. Et la victoire revient à l'équipe de Shane. Tape la corde. Hé, hey, allez, tu me laisses attendre là. D'accord, peut-être plus tard. Bien, parce qu'on a un troisième tour qui nous attend. Tu as intérêt à avoir raison, Maurice. Mon temps est précieux. Pilote, aux cavernes de l'Ouest. Le professeur veut assister à un duel. Nous verrons ce que ce nouveau Shane a réellement au fond de lui. Formidable, Ellie. Félicitations. Merci. Je viens d'apprendre. Je suis désolé, mon frère. Non, j'ai gagné. Je suis en finale. Oui. Contre John Bull. Regarde dans quel état il m'a mis. Écoute-moi, tu n'as pas les compétences qu'il faudrait, ni la masse musculaire pour supporter ces rameurs. Je suis désolé de te dire ça, mais cet homme va t'écraser. Comme ça, Ellie Shane ne signe pas d'autographe. Pronto, quant à lui, a prévu quelques petites pauses pour les photos. Le train souterrain express. Et avec seulement 2 passagers à son bord. Le professeur Black, qu'est-ce qu'il fait ici? Lequel d'entre vous est Ellie Shane? Calme, Burpee. Qui est cet homme? Le professeur Thaddeus Black. Ton père ne t'en a jamais parlé? Les gens disent qu'il est le dernier homme à avoir vu ton père vivant. Ce que disent tes amis est la vérité. Will Shane était un grand héros. En fait, je lui dois la vie. Trouvons un endroit pour parler, veux-tu? Mes amis restent avec moi. Mais certainement. Ne vous inquiétez pas. On va juste parler.
Le petit avantage de posséder la seule ligne de transport, c'est qu'on peut voyager en gardant un certain style. Oh, c'est si doux! On dirait un soupir d'ange. Donc, Will Shane avait un fils. Ah, je ne suis pas surpris. Les Shane est leur secret. Vous et mon père, vous étiez amis? Amis? Pas exactement. Ton père et moi avions nos différences, mais tout cela, c'est du passé. Toi et moi, nous avons la chance de repartir à zéro. Et peut-être même qu'un jour, nous travaillerons ensemble. J'ai entendu dire que tu manquais cruellement de slugs. Considère celle-ci comme un cadeau. Mais qu'est-ce qui est arrivé à cette slug? Eh bien, je l'ai améliorée, jeune fille. Je dois admettre que mes premiers essais furent imprévisibles. Mais maintenant, j'ai atteint la perfection. Ça n'a rien à voir avec la perfection. Vous avez juste créé une sorte de ghoul. De ghoul? Quelle joie d'entendre ça. Vous ne pouvez pas faire ça aux slugs. Elles sont la clé de tout ici. Vous allez détruire Slug Terra. J'ai l'impression d'avoir déjà entendu ce discours. Je suppose que c'était utopique de croire qu'un Shane pourrait comprendre. On a fini. Dans cette petite compétition, tu peux te dire que tu es un héros. Mais dans le monde réel, mon cher petit, reste en dehors de ma route. Je ne sais pas qui vous êtes, mais ma slug, elle le sait. Et elle ne vous aime pas. Et je ne vous aime pas non plus. Je vais être le nouveau Shane. Il faudra vous y habituer. C'est juste un gamin, patron. Il ne devrait pas poser de problème. Oui, mais c'est aussi un Shane. Et lorsque les gens ont un Shane derrière qui se rallier, ça peut être très mauvais pour les affaires. Professeur, que voulez-vous? Te voir gagner aujourd'hui. Je me bats contre un enfant. Tu concours contre un Shane. Ne sous-estime jamais un Shane. Je n'ai pas besoin de votre affreuse slug. Tu sais qui je suis. Tu sais ce que je suis capable de faire. Tu utiliseras cette slug contre le nouveau Shane. John Bull contre Ellie Shane! Ça doit être cool d'être le fifis à son papa et de tout avoir sans aucun effort. Je n'en sais rien. Mon père est parti depuis longtemps et personne ne m'a jamais rien donné. Mon frère, arrête de discuter et souviens-toi plutôt de ce que je t'ai appris. C'était quoi déjà? On ne parle pas pendant les duels. Dernier tir, Burpee. Sois sérieuse. Messieurs, le vainqueur est John Bull. C'est perdu, Shane. Tu connais les règles. Je suis désolé, mais l'une d'entre vous va partir. Oh, je n'ai plus besoin de tes slugs. Parce que j'en ai une comme celle-ci. C'est la goule? C'est Black qui te l'a donnée? Oui, et alors, partez. Je n'ai plus besoin de vous. Et il y en a plein là-bas qui ressemblent à celle-ci. Si tu choisis de suivre mes traces, mon fils, il sera de ton devoir de protéger Slug Terra contre tout type de danger. Tu es un Shane.
tu as bon cœur. Et quel que soit ton choix, je serai toujours fier de toi. J'ai attendu toute ma vie de combattre et de devenir un Shane. Mais je croyais que je serais éduqué par mon père. Je dois trouver un moyen d'apprendre tout seul. Oui, mais pas complètement tout seul. Tu auras Pronto pour te guider lors de tes voyages. Moi, je ferai en sorte que tu sois victorieux. Je te couvrirai. Et moi, je vais répandre la nouvelle dans tout Slaterra. Tout le monde saura qu'un Shane est de retour. Ça pourrait être dangereux. On adore le danger. Presque toujours, ce sera de l'improvisation. Je vis comme ça tous les jours. Déjà, il faut qu'on trouve Black. Et qu'on trouve ces ghouls. On doit l'empêcher d'en faire plus. Ah, j'avais peur que tu tardes encore à le dire. Très bien. Nous sommes la nouvelle équipe. Par quoi on commence? Quelqu'un! Au secours! Voilà la réponse. Droit devant! À qui le tour? Allez! Ne me dites pas qu'aucun de vous n'est partant pour un duel amical. Vous n'avez pas peur d'elle, tout de même. Ce ne sont que des slugs. Faux! Ce ne sont pas de simples slugs, ce sont des ghouls. Eh bien, ce ne serait pas le jeune Shane qui vient jouer les héros? Je me demandais quand tu allais arriver. Ces ghouls ne sont pas les bienvenus ici, et vous non plus. 4 contre 1, ce n'est pas vraiment un combat équitable. Il n'y a plus de règles depuis que vous avez prêté allégeance à Black CC. Dans ce cas, je vais devoir élever mon niveau de jeu. Et ensuite, je n'aurai plus qu'à vous éliminer. C'est votre dernière chance, CC. Vous partez gentiment ou on emploie les grands moyens. Vraiment? Arrête de l'embêter, Trixie. Tu vois bien qu'il essaie de se comporter en héros. Vous avez perdu la tête. C'est de la folie de s'attaquer à moi. Petit contretemps. C'est pas grave. T'as vu les propulseurs qu'il a sur son blaster? Il lance des ghouls. On n'a pas la moindre chance. Elle n'a pas tort. Tu es le seul à avoir déjà affronté ces ghouls. Et ça ne s'est pas très bien terminé, tu te souviens? C'est comme ça que tu m'encourages. Non! C'est pas très efficace, mais n'aie crainte. J'ai une bonne idée. Tu permets? Mais avec plaisir. Ellie, ce n'est qu'une slug puante. Elle ne peut rien faire contre une ghoule. Et c'est justement grâce à ça qu'on va pouvoir le prendre par surprise. Oh, ce qu'elle sent mauvais! Et c'est stupide. Tu devais bien te douter que j'allais immédiatement riposter. Ben oui, c'était l'idée. À mon avis, vous avez le choix entre deux solutions. Ou vous tirez sur moi, et dans ce cas, mes amis ouvriront le feu, ou vous disparaissez. Vous choisissez quoi?
Belle tentative, petit. Tu vas empester pendant des semaines. Oh, ça en valait la peine. Parle pour toi, Ellie. Avant, vous étiez un lanceur de slugs respectable. Que vous est-il arrivé? Une occasion s'est présentée et je l'ai saisie. Et je ne suis pas le seul à travailler pour le professeur Black. Tu es peut-être un Shane, mais tu n'as pas la carrure pour défier le professeur Black et ses ghouls. Oh, et la tanière des Shane, comment est-ce que vous la trouvez? Confortable? Qu'est-ce que vous voulez dire, CC? Oh, rien du tout. Sauf que pendant que j'étais en train de divertir ces honnêtes citoyens, certains de mes associés ont fait quelques travaux de rénovation chez vous. Considérez ça comme un cadeau de bienvenue de la part de celui qui m'a donné ces slugs. La tanière! On ne peut pas accepter ça! Ah, bonne nouvelle! Ma collection de figurines en verre a été épargnée! Ah! Je crie vengeance! Vengeance! Le professeur Black a fait ça pour laisser un message. Il va apprendre qu'on ne se laisse pas impressionner aussi facilement. Et c'est quoi le plan? On va lui envoyer un message à notre façon. Mais avant, on va remplacer tout ce qu'ils nous ont cassé. Oh, oh, tu sais ce que ça veut dire? On va aller au grand magasin! Oh, je ne sais pas par où commencer. Je comprends. Ils ont tout ce dont on peut rêver. Des meubles aux blasters de dernière génération. Ils ont même des pièces détachées pour les mégabêtes. Cord, tu es l'expert en matériel. Tu crois que tu vas pouvoir remplacer tout ce qu'ils ont détruit? Absolument. Ça devrait suffire pour remplacer tout ce qu'on a perdu. Plus quelques nouveautés. Vous savez, pour nous aider à faire passer le message. J'ai juste une question. Est-ce qu'on a assez d'or pour payer tout ça? Pas d'or. On paye en slugs. Tu as quelques beaux spécimens? Non, pas question. On n'est pas chez l'épicier ici, Ellie. Si tu veux acheter quelque chose de valeur, tu dois donner quelque chose de valeur en échange. En fait, on n'a pas vraiment besoin de tout ça. Je préfère garder les slugs. Mais t'as pensé à Black? Il a déjà un avantage avec ses ghouls. On ne peut pas se permettre d'avoir du mauvais matériel. Elles font partie de mon équipe. Je commence à bien les connaître. Tu vois? C'est pour ça qu'il ne faut jamais faire ami-ami avec les munitions! Je sais que tu es très attachée à tes slugs, Ellie. Mais il faut parfois se résoudre à faire un échange. Nous en faisons tous. Cet échange ne me plaît pas du tout. Tu es une super slug, Electra, mais il nous faut ce matériel. Waouh! Je crois que ça ira. On peut conclure le marché. J'ignore chez qui tu vas aller, mais j'espère qu'ils prendront soin de toi. Peut-être qu'on se reverra. N'y compte pas, petit. Les monts du cauchemar. Il va falloir être prudent. Écoutez, j'ai bien réfléchi. À mes nombreux talents, sans doute. On a fait une erreur. Tu doutes du sens de l'orientation du grand Pronto? Je parlais d'Electra. On n'aurait jamais dû l'échanger. Je te l'ai déjà expliqué. Si tu veux arrêter Black, il te faut le meilleur matériel. Et pour avoir le meilleur matériel, il faut parfois accepter de renoncer à une slug ou deux. On doit la récupérer. Mais qu'est-ce qui lui prend avec ces slugs? Comment ça, parti? On vous l'a laissé il y a une heure. Qu'est-ce que vous croyez? Je l'ai échangé. Hein? Je vais vous rembourser. J'ai un couple de flip-flops. Pas question. Je veux récupérer Electra. Désolé, petit. Elle est partie. Eh bien, on a essayé. Pas si vite, Pronto. Je crois que ce commerçant cache quelque chose et je veux savoir ce que c'est. Une conspiration. Bonus. Écartez-vous! Il faut un certain savoir-faire et procéder en douceur. Oui, eh bien, je peux en faire autant! Waouh! Oh. Il y en a des centaines! Qu'est-ce qu'elles font toutes là? Hein?
Les affaires sont plutôt calmes. Mais j'ai encore beaucoup de slugs de premier choix ici. Des slugs très puissants et bien entraînés. Comme le professeur Black les aime. Chargez-les immédiatement. Le professeur Black est derrière tout ça. Et je te parie qu'il a l'intention de transformer ses slugs en ghoul. Ah oui? Eh bien, il n'aura pas Electra, ni les autres slugs. Venez! Chut, on va te sortir de là. Elle n'est pas à toi. Ah oui, qui vous a dit ça? Le professeur Black. Peut-être, mais il n'est pas là pour l'instant, et nous sommes plusieurs, alors que vous êtes seul. On peut savoir qui vous êtes? On m'appelle Diablos Nacho. Écoutez, Nacho, il y a deux façons de régler ce problème. Bon, il y en a trois. Que tu as attrapé, gros nigo. Oh, c'est mieux. Bon, eh bien, vous avez gagné. On fait quoi maintenant? T'en fais pas, Electra. Je ne les laisserai pas t'emmener. Comment pouvez-vous travailler avec Black? Des tas de gens le font. C'est pas facile de lui dire non. Et ce ne sont que des slugs. Je suppose que vous ignorez ce qu'il compte en faire. Et je ne tiens pas à le savoir. On va récupérer Electra et toutes les autres slugs. Je vais pas laisser Black les transformer en ghouls. Il va falloir entrer dans la citadelle de Black pour les sauver. On a dit qu'on voulait lui envoyer un message. On va le lui remettre en main propre. Qui es-tu? Ellie Shane. Je viens voir le professeur Black. Un instant. Venez, suivez-moi. Facile à dire. Oui. Vas-y, entre. Où est Black? Il n'est pas libre. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Pour commencer, je veux récupérer ma slug. Je vous demande bien peu de choses comparé à tout ce que je vous offre. Votre loyauté et votre servitude en échange de l'arme la plus puissante qui soit dans tout Slug Terra. Oh, je sais que vous êtes des hommes d'action, pas de parole, comme moi. Aussi, je vous dirais simplement, prenez le pouvoir que je vous offre et rejoignez-moi. Bon, allons-y. On libère ces slugs et puis on se dépêche de sortir de là. Il y a un problème. Electra n'est pas là. Il est trop tard. Alors, vous avez toujours voulu être un homme de main ou c'est tout ce que vous avez trouvé comme travail? Je vois. Est-ce que vous savez quand Black va arriver? Je comprends que ma visite à l'improviste l'ait pris de court, mais... Bien au contraire. Ça fait un petit moment que je t'attends, Ellie. Je sais pas comment je vais dire à Ellie qu'Electra n'est plus là. Toi, là-bas.
Bonjour. Au revoir. Enfoncez-moi cette porte. Il faut qu'on sorte d'ici au plus vite. Pas sans les slugs. Non. Comme ça. Les slugs du professeur Black, rattrapez-les. Maurice, laisse-nous. Alors, venons-en aux choses sérieuses. Tu dois savoir pourquoi je t'ai invité ici, n'est-ce pas? Invité? Votre invitation a dû se perdre dans le courrier. Mais tu as compris le message que j'ai laissé dans ta tanière. C'est pour ça que tu es là, j'imagine. En partie. Mais surtout pour récupérer une de mes slugs. Vraiment? C'est celle-ci que tu cherches peut-être? Electra! Réfléchis bien. Tu comprends vite. Joins-toi à moi et je te la rendrai. Et elle sera bien plus puissante qu'elle ne l'est aujourd'hui. Il est drôlement fort. Tu croyais vraiment que j'allais te laisser t'introduire dans ma citadelle et me battre? Oui, je regrette que mes slugs soient moins puissantes que les vôtres. C'est autrement. Mais voilà, les fils ont souvent tendance à répéter les erreurs de leur père. Ah, bien, tout le monde est là. Tes amis vont pouvoir assister à la fin d'un autre Shane avant de subir le même sort. Rien ne semble pouvoir l'atteindre, mais je sais de quoi tu es capable. Tu fais bien trop confiance à tes slugs. Cette slug infernale ne pourra pas t'aider. Vous voulez parier?
Il faut qu'on sorte d'ici, Burpee. Montre ce que tu sais faire. Wow. Un mur de feu. Ça va marcher. Je crois que ton message est passé, bonhomme. On ferait mieux de partir maintenant. Aucune objection. Allons-y. Vite, passez de l'autre côté. Non, laisse-les partir. Ils ont eu le message. Elishen ne remettra pas les pieds ici avant un bon moment. Pourquoi ne pas le faire payer? Oh, mais il paiera. Ils paieront tous. Mais pour l'instant, il est beaucoup plus utile comme exemple de ce qui se passe quand un Shen tente de s'attaquer à moi. Eh bien, on ne s'en est pas trop mal sortis, non? Vous avez tous été formidables. Black se trompe. Il n'y a rien de plus important que nos slugs. Si on veut réussir à mettre fin aux agissements de Black, il nous faut plus de slugs, beaucoup plus. Il faudra aussi les entraîner. Elles peuvent encore apprendre des tas de techniques. Et n'oublie pas le matériel. Je sais que pour toi, c'est pas important, Ellie. Alors je préférerais m'en occuper moi-même. Je ne laisserai jamais Black avoir le dessus. Merci, Cord. Je te fais confiance. Et n'oublions pas non plus que nous devons tous faire équipe pour accomplir une mission encore plus grande. Quelle mission? Ranger la chambre le pronto. Vous me suivez? Hey. Oh, mais venez, il faut que vous me donniez un coup de main. Ce lit ne va pas se faire tout seul.